What's up YouTube? Nous sommes encore pour une autre vidéo. Je dis à nous parler de Genèse chapitre 9. Avant même que nous commençons la vidéo, à la mode vous pouvez vous abonner à la chaîne là, vous pouvez vous liker la vidéo et puis quitter un commentaire pour nous et puis partager la vidéo. Je dis à nous parler de Genèse chapitre 9. Si vous regardez pour la première fois, c'est un rubrique côté que nous avons toute Bible là. Et puis ensemble, nous avons un problème qui vient dans le chapitre, dans le verset. Donc nous lisons Genèse chapitre 1, il vient dans le chapitre 8 déjà. Je dis à nous parler de Genèse chapitre 9. À la mode vous pouvez mettre la Bible pour nous capables. Faites ces réflexions impopulaires ensemble. Jean que nous connaissons ça déjà, ça que nous avons essayé de faire, c'est pas chercher un petit bout de verset dans l'autre chapitre et puis pour nous dire contradiction. Ça que nous avons essayé de faire là, c'est et toute Bible là, et puis comparer ça que nous disons avec découverte qui fait. Et puis pour nous, est-ce que ça que nous dit dans la Bible là, est-ce que nous fait poids? Parce que moi-même, les Bibles, je réalise que la Bible, ce n'est pas la parole de bon Dieu. Je réalise que la Bible, ce n'est pas un Bible qui est inspiré de Dieu, j'aime mon fait quoi là. Dans le sens que c'est bon Dieu qui t'a révélé mon ça que tu as écrit. Donc, je ne sais pas où est ça dans la Bible. Genèse chapitre 9, il commence comme ça. Dieu bénit Noé et sa fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, bon Dieu bénit Noé et puis Manuel pour capable remplir la terre. Depuis le verset 1er, il y a une pile religion qui prend. Verset ça, ensemble avec l'autre verset que vous prenez dans la Bible là, pour capable de raison qui fait que moun pa dwe utiliser méthode contraception, moun pa dwe utiliser capote. Donc, yo wè ça, comme si nous avons son péché, ça y est, le yon fi soit décide de faire planer ou bien yon moun décide de faire n'importe quelle méthode contraception qui gagne. Dans le continent verset 2a, il dit, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Est-ce que vous pensez que toute bête est peur nous? Parce que selon ça, il dit là, donc il a toute bête dans mes nous, donc toute bête est peur nous. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez que microbes est peur nous? Est-ce que vous pensez parasites est peur nous? Est-ce que vous pensez bactéries est peur nous? Est-ce que vous pensez requins peur nous? Est-ce que vous pensez lions est peur nous? Lorsque vous comparez ça avec l'anniversaire vraiment avec vraie vie, ou est que c'est pas ça lié vraiment. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Là où ça dit, il dit tout ça cap move, tout ça cap déplacer, donc il baille nous comme l'herbe verte. Donc on va manger tout ça qui vient vie là-dedans. Si vous songez dans le chapitre 7, côté que. Au théâtre dit pour capable prendre animaux purs avec animaux qui pas purs. Donc sous bien gardé pour après que son je me dis que pour qu'on gagne différence entre animaux purs avec animaux qui pas purs. Voilà mon Dieu dit il est capable manger toute bagaille. Il est capable manger toute bagaille pour qu'on faire différence entre animaux purs avec animaux qui pas purs. Verset 4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme avec son sang. Sachez aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Est-ce qu'on connaît verset ça? On nous dit verset sorti depuis dans verset 4, rivé dans verset 6 là. Témoin de Jéhovah prend verset ça comme excuse qui fait que yon témoin de Jéhovah, même si tu as un problème, si un témoin de Jéhovah qui peut avoir une bourse, il n'y a pas de li. Ou bien même si c'est témoin de Jéhovah qui a un problème, ou même ou pas de baisse, parce que yon prend verset ça comme excuse, comme sang, son bagage qui est spirituel lié. Donc, il n'y a pas de cabossant. Ça, c'est un verset que témoin de Jéhovah au point comme excuse. Est-ce qu'on voit dans quel niveau ignorance religion qu'a mis au monde? Verset 6 l'a dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Mais pendant ce temps, Caïn était tué à Abel, bon Dieu t'a mis un signe sur Caïn pour l'autre monde pas tuer Caïn. Est-ce qu'on a un système de justice qui est dans la Bible? Les mecs t'ont tué. Deux monde les mecs te disent si un monde tuer bon Dieu a vengé pour lui 77 fois mais pourtant mais bon Dieu dit si un monde tuer un monde par l'homme son sang sera versé. Il continue, il dit et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Regardez bien ça, le dit là. Il dit que, bon Dieu dit, et la établi une alliance ensemble avec mon Dieu. Il ne peut jamais détruire le monde avec des déluge encore. Il dit, il ne peut jamais détruire le monde qui détruit toute la terre, et il ne peut jamais détruire le monde avec des déluge encore. Déluge là, normalement, qu'est-ce que c'est déluge là? Déluge là, c'est gros de l'eau qui descend, puis la pluie tombe. De monter, gros vent, donc c'est ça que l'église là. Et nous gagnons ça tout le temps. Nous avons besoin d'aller dans un bail qui passe dans le monde là. Nous avons là, en Haïti là. En 1963, dans le mois octobre 1963, il y a un cyclone qui était le cyclone Flora. Il fait plus que 5000 morts. Plus que 5000 morts. Donc, tu sais quoi, que bon Dieu te dit, papa, j'aime détruire nous avec des liges. Si nous prenons tout récemment là, tout, en 2004, avec Cyclone Jeanne fait plus que 1500 morts et puis il y a environ 900 personnes qui ont été disparues. Bon, si nous prenons plus récemment toujours avec Cyclone Matthew fait environ 576 morts là l'autre jour là. Donc, est-ce que ou est-ce ça son vérité là ou dit que, bon Dieu dit, il ne peut jamais détruire aucune chair? Parce que si bien l'hiver, ça pourrait dire aucune chair. Donc même bête ou pas ta supposé là-dedans, aucune chair pas ta supposé mourir dans déluge. Mais pendant ce temps, on gagne des milliers de monde, presque chaque année, qui mourir dans déluge, dans cyclone. C'est 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Regardez bien ça, au verset ça. Il dit, bon Dieu dit, l'el gade nuit. Donc là, il y a parlé de arc-en-ciel, ok? Donc c'est juste pour montrer nous qui côté origine arc-en-ciel sorti. C'est bon Dieu qui te fait une alliance avec mon Dieu. Et puis, bon Dieu dit, les nuits apparaissent, les arc-en-ciel apparaissent. Lui-même, l'a songé, c'est-à-dire qu'il n'a pas oublié, oui. L'a songé qu'il te fait une alliance, il te fait une promesse, puis pas jamais détruire les hommes avec les déluge encore. Est-ce que c'est origine arc-en-ciel ça? Est-ce que c'est ça qui fait nous gagner arc-en-ciel? Nous devons faire recherche sur arc-en-ciel pour connaître qui ça qui cause nous gagner arc-en-ciel. Et puis regardez bien dans verset Jean au début, bon Dieu dit pour bon Dieu pas oublier. Il y a un bon Dieu qui tant coule les hommes. Comme il te dit bon Dieu crée nous à son image. Donc toute façon que nous c'est comme ça bon Dieu. Monde ça pas imaginer un bon Dieu qui omniscient, qui connaît toute bagaille. Donc, il n'y a pas d'imaginer mon Dieu comme ça, ou même. Il n'y a pas mon Dieu qui m'a dit, avant, pour mon Dieu, pas gagner des tentations parfois, puis pas tout ce que j'ai fait déjà. Donc, il dit, mon Dieu, fait une alliance. Chaque fois, il voit ça, donc, il a songé qu'il a fait une alliance avec nous. Est-ce qu'on voit la façon de décrire mon Dieu dans la Bible? Ça, pour connaître, c'est que son histoire fictive, c'est pas une histoire que j'ai jamais fait de vrai. Donc, c'est normal, il y a un problème avec ça. Parce que mon longtemps, il y a toujours qu'on raconte une histoire. Donc, il y a un problème avec ça. Le problème, non, commencé, c'est là qu'on commence à dire que, hey, c'est parole, bon Dieu, ça. C'est là le problème. En nous, qu'on y a là, font parler du arc-en-ciel là. Donc, arc-en-ciel là, qui côté arc-en-ciel là, ceci? Normalement, ou bien soleil là. Soleil là, il baye sa en lumière blanche. Parce que couleur soleil là, c'est couleur blanc. Il est composé de plusieurs autres couleurs. Parmi couleurs ça, ou bien rouge, vert, indigo, jaune, bleu, violet, orange. Ça qui passe, c'est que on nous dit si gen gouttelette d'eau dans l'atmosphère là et puis soleil là et lumière soleil là arrive sur gouttelette d'eau ça automatiquement la faut joindre ça qui est arc-en-ciel là. Donc son phénomène physique qui résulte à l'oreillon arc-en-ciel là. Et moi même expliquer il dit arc-en-ciel. Donc arc là c'est un demi-cercle, donc c'est un demi-cercle qui part dans le ciel là. Donc c'est une série de phénomènes physiques qui viennent boyo faire plus que c'est sous ça pour bien connaître ça m'a dit là. Sous gain un flash ou même sous pas la gain flash sous gain lumière soleil là. Prend lumière soleil là. Fait flasher directement dans yon et prend yon petit morceau glace et puis mettez dans un vaisseau et puis dans vaisseau a mettez de l'eau là-dedans.
et puis fait lumière soleil là flasher directement dans glace là dans miroir là même dit glace ça c'est miroir dans petit bout miroir ça côté mettre dans l'eau qui dans petit vaisseau et puis prend un papier ou bien n'importe l'autre bagaille reflet lumière qui sort dans miroir là fait passer dans papier à bois ou bien différents couleurs. Si vous n'avez pas fait ça avec la lumière solaire, vous pouvez faire ensemble avec un flash. Tout. Ce phénomène physique qui cause toujours le plus souvent les guerres quand celle-ci est soit un lapin qui finit tomber ou bien un lapin qui parle tomber. Parce que le lapin qui tombe, l'air de l'eau arrive sur vous, il est déjà en gloire, il est déjà dans l'atmosphère là déjà. Donc depuis dans l'atmosphère là, la lumière solaire arrive sur la gouttelette de l'eau. Donc normalement, la vie de mort avec sa couleur, qui est ce que nous appelons arc-en-ciel là. Donc c'est pas un big deal tant que Jean Mounio a PC, il t'a essayé expliquer pour des motos côté origine arc-en-ciel là sorti. Mais c'est pas vrai parce que tu es déjà gain arc-en-ciel depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années depuis avant Bible a été écrit, tu es déjà gain arc-en-ciel. Est-ce que pas songe mythe ça tout que toujours qu'on a dit nous les nous t'es petit, il dit sous longer doit être tout sous arc-en-ciel là, soit la couper main ou bien la couper doit tout. On va aller comme ça. Un peu monde style quoi dans baï ça. Mais c'est ça son vérité. Non, ou imagine ou te fourre ti baye sa nan Bible la, en pi moun tabe kwa sa, me ki ti devwa ma bo, ou n'importe lo ou arc-en-ciel, longe dwe tou sou li pou e, ou pa gen yen ki ki vou. Donc, en pi nan bagay ki ou fe nou kwen nan ou, se yon paket mit yo e. Mais malheureusement, nous kwen nan yo, nou kwen pou verite, e ou pa vwe. Origine arc-en-ciel sa kwen dit nan Bible la, se pa la arc-en-ciel te jam sou ti vwe. Arc-en-ciel son phénomène physique normalement ki ki vwe, se sa ki fa wapwe se mou ben ki vwe tout an. Il gagne l'air depuis conditions réunies ou toujours un arc-en-ciel par exemple celle-là et on tire tout pour qu'on ait des arc-en-ciel parce que même là où même où c'est en 2007 c'est un sec total que lié li pa yon ti 2007 son sec total le fait que ou même c'est perspective ou gagne c'est sous la terre ou bien donc il connaît la terre on il gagne ça ou l'horizon c'est même genre tant que là ouais que l'on camper devant la mer ouais la mer contre avec ciel là donc c'est horizon hein. À cause que la terre on et ou vinn wote pou se yon ligne qui passe et ben c'est même bay ça à cause que la terre on tout ou c'est moitié là dans coca ouais mais sous ta va prendre une bonne attitude par rapport à la terre ou t'ap ka ouais tout arc-en-ciel là yon on ou t'ap ouais ou pa t'ap ouais yon morceau yon demi-cercle. On continue le verset 18, il dit les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc il y a trois timon qui sont là et il dit c'est postérité qui peuplait toute terre, OK. Verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Il dit là Noé était commencé cultiver petit jardin li, il était qu'on planté vigne et que monsieur li rivon les li boit en pile, il boit en pile du vin et puis monsieur vin sous monsieur la récolte tout ni dans caill là et puis gagne un petit li yo qui c'est Cam, il dit monsieur ouais papa tout ni Cam a dit l'autre fois yo ça et puis il continue, il dit alors Sem et Japhet prirent le manteau le mien sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et lui dit « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. Donc, regardez ce qui passe dans le verset ça ou bien là. Donc, Noé boit 20, il sou, il toutouni dans le là. Il y a un petit monde qui se calme, ou pas il toutouni, là, il écoute l'autre deux frères, il dit ça. Et puis, le Noé levé, Noé maudit. Noé pas même maudit petit li, non? Il maudit petit, petit li. Qui se Canaan. Il dit que Canaan est capable d'esclave l'autre frère. Un bagage totalement absurde. Je connais la théologie, j'avais toujours vu un petit argument pour dire mais qui c'est ci, mais qui c'est là. Mais ça pour réaliser, c'est que le problème, là, c'était Noé en premier. Donc c'est Noé qui connaît, puis il partait. Boué, j'ai si sous.
juste les sous que il est obligé la récolter tout le monde dans caille là. Comment faire qu'on y a là c'est wap maudit petit, c'est petit ou maudit. Alors histoire ça, il ca fait sens si nous connaissons bagaille c'est un mythe, si nous connaissons histoire fictive. Ou gars petit ou responsabilité à qui c'est ou même qui t'a supposé responsabilité à qu'on a la responsabilité à sur petit tout et c'est pas même petit ou encore nous on dit petit petit tout. Est-ce qu'on te connaît que verset ça nous fait sauter la dernière verset ça dans chapitre 9 là. Yo te prend verset ça comme excuse pour te capable faire nous yo tourner esclave. Verset ça te fait partie de l'autre verset que yo te prend pour te capable faire nous esclave. Et ça c'est bail sérieux nous là, on va faire recherche sur ça pour capable joindre pour capable comprendre une série de bagages. Parce qu'en pile monde toujours a dit que esclavage pas de rapport ensemble avec christianisme. Mais c'est totalement faux, soit vraiment fouillé, ou à saisir. Ouais. Bon, bon, qu'est-ce que tu vas faire chercher? Ou qu'à chercher Pape Nicolas V, Dum Diversas. J'entends des mecs dire Dum Diversas, ça c'est comme ça. D-U-M-D-I-V-E-R-S-A-S. Ou qu'à faire chercher sous lui. Ou qu'à chercher tout le code noir. Alors, l'on fait recherche ça, ou pas le voir que christianisme, c'était une religion qui a été imposée nous-mêmes. Esclavio parce que seulement religion ça que vous te voulez, vous êtes d'accord dans la colonie. Jean nous te dit ça déjà, nous avons un problème avec le monde qui lit la Bible. Vous avez toujours lu la Bible et vous prenez un bon petit bagaille, si vous avez un petit conseil, vous avez toujours pris dans la Bible. Mais le problème, non, c'est là qu'on commence à dire que c'est parole, bon Dieu, c'est là qu'on commence à dire qu'il est inspiré de Dieu. Là, le problème. Ça, comme tu as souhaité qu'on fasse, tu as souhaité qu'on investigue la Bible. Investigue l'origine de la Bible, comment on fait gagner. Là, on dit que c'est des bagailles dans l'histoire. On a vraiment fait recherche sur eux. Pour est-ce que ça, on dit que c'est des bagailles qui sont vraies par rapport à la découverte qui fait tout. Pour est-ce que ça, on a fait. Donc, c'est ça que tu as vraiment fait. Et puis, pas oublier pour capable like la vidéo, qui te commentaire pour nous. Partagez vidéo et puis abonnez à la chaîne là pour capable toujours voir nouvelles vidéos que nous postons. Pas j'oublie ça, questionnez toute bagaille. Peace.